à tous, chers auditeurs. Comme vous voyez, moi, ça va très bien. Je suis ici spécialement en live vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler de quoi. C'est surtout, je vais vous dévoiler le projet de l'année 2017 en vidéo et j'espère que vous serez contents. Il va y avoir du très gros matériel, surtout pour améliorer ma chaîne YouTube et de parler aussi des accessoires, du matériel, des caméras. Un nouveau emplacement de chambre que je vais déménager et tout ça spécialement pour vous en vidéo, en avant-première avant que l'année 2016 se finisse. Et puis c'est le moment de partager avec sa communauté vu qu'aujourd'hui vous êtes presque 6000 abonnés sur ma chaîne YouTube et je voulais vous en remercier du fond du cœur vu que nous sommes en direct. J'aime bien parler en direct avec les gens, que ce soit plus correct que derrière un micro ou une caméra se cacher et de ne pas voir la face de la personne, ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui la plupart des youtubeurs. Mais moi, ça se compare autrement, c'est autre chose. J'aime bien dire la vérité, mais tout ça reste d'une bonne entente entre amis et visiteurs, abonnés et voir tout ça. Mais dans un premier temps, on va parler du matériel, du nouveau matériel que je vais surtout acheter, ce qui pose sans problème. Beaucoup de personnes vont dire oui, il a des problèmes, on va pas pouvoir acheter tout ça, mais aujourd'hui il n'y a aucun problème à rapport à l'achat matériel, à l'achat ce que je vais pouvoir et avoir, on va dire, dans les premiers 6 mois de l'année 2017. Ça va être un nouveau fauteuil. Comme vous voyez derrière moi, j'ai un fauteuil qui est vraiment, on va dire, bas de gamme, bizarre, ou plutôt usé, sans vous mentir, il commence à être usé. Voilà, si vous voyez bien en rouge, là derrière moi. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vais décider d'acheter comme, comment vous dire ça, comme siège, c'est de la marque Rokka. Rokka, ils ont un siège, un fauteuil gaming qui est vraiment robuste, pour faire tourner au moment que je vais faire des live vidéo. Ça va être vraiment le top. C'est un siège qui coûte quand même presque 300 €, sans vous mentir. C'est surtout de la grande qualité. Mais ça, ce siège-là, je l'ai acheté à 149 € et quelques chez But au moment ce qui a été les soldes il y a 2 ans de ça maintenant. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous en faire part de mon fauteuil. J'ai aussi beaucoup de personnes sont plaintes, et ça je les comprends, je suis tout à fait d'accord avec eux, à rapport quand je fais des vidéos, caméra c'est plutôt avec mon iPhone, j'ai pas de support pour visionner avec mon iPhone, tout ça, les caméras, les vidéos sont pas de bonne qualité, je veux dire, l'encadrement de l'iPhone vers le machin, j'arrive pas à positionner vu que j'ai pas de support qui me permet d'orienter tout ça. Mais la chose à vous dire pour ces personnes-là, c'est en 2017, j'ai décidé déjà maintenant, j'ai commencé à étudier, faire un projet, c'est beau, c'est bien, mais il faut rester dans le droit chemin. Comme beaucoup de youtubeurs s'amusent à faire comme je fais, mais il y en a qui se cassent la gueule, sans vous manquer de respect, certainement. Mais aujourd'hui, on va pouvoir travailler vraiment professionnellement et vous apporter du nouveau, du propre et de l'aide comme vous avez l'habitude de recevoir un petit peu de ma part chaque jour. Mais en parlant de la caméra, on va passer maintenant au projet caméra. C'est vraiment un sacré coup la caméra. Ce qui est dans la caméra, il va avoir surtout la 4K, ce qui est vraiment le top pour faire des lives dehors, n'importe où, ce qui a posé problème au début de juin 2016. Pourquoi ? J'ai parlé en avant-première en France, c'est moi qui a parlé de ce jeu-là, même personne ne savait à quoi ça allait rendre sur la toile YouTube. C'est Pokémon Go, j'ai dévoilé ça au mois de juin, c'était exactement le 12 ou 13 juin. Pourquoi ? J'avais eu l'axe et d'avoir un compte, je l'ai toujours, mon compte australien, et c'est pour ça que aujourd'hui vous pouvez aller voir vos comparaisons avec ma vidéo, ce qui a été au mois de juin, et le temps de visionnage, de vue aussi,
Là, quand même, presque 250 000 vues. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire des choses potables, mais ça reste que devant l'ordinateur. Mais c'est moins bien, je vous le dis honnêtement, c'est moins bien. Pourquoi? C'est devant l'ordinateur, c'est pas spacieux dehors, on n'a pas pu faire d'autres choses, et c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous dire honnêtement, je vais acheter cette caméra qu'elle coûte à peu près presque dans les 1000 euros. Et pour ça, j'en ai bien besoin pour avancer et de lancer le projet iPhone Legend et IPL Actu. C'est toujours le même concept à rapport à iPhone Legend. Ça ne changera rien du tout. Et pour ça, il va y avoir la caméra qui va être disponible ici à partir du mois de mai. Et aussi, une chose, ce qui va suivre derrière tout ça avec les caméras. Quand un YouTuber réalise une vidéo, vous avez quand même un arrière-plan derrière l'ordinateur ou n'importe quoi en train de visionner, et devant vous avez votre produit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de la chose ce que je vais vous expliquer. Tout ça, en fait, il faut qu'il y ait un arrière-plan qui soit quand même assez joli. Et aujourd'hui, j'en parle sur ce plan-là avec caméra, ce qui est le plus important, support caméra pour commencer et avoir une bonne stabilisation de la caméra. J'avais mangé le mot il y a quelques secondes. Désolé pour le petit sondage, le petit mot décalé. Mais avant toute chose, il y aura aussi des lampes, comme un collègue qui m'avait déjà expliqué tout ça, que je le remercie vraiment du fond du cœur. On se parle surtout sur Twitter. C'est un designer, mais encore une fois, ce qu'il va avoir sur ces bases-là, il va avoir caméra, support caméra. Après tout ça, il va avoir quoi? Il va avoir lampe statique. C'est des lampes pour éclairer. Si vous êtes surtout dans ce niveau-là, un petit peu sombre, on va pouvoir se voir tranquillement. Mais vu que tout ça, il y a un prix, mais moi, je vais investir pour rendre déjà la facilité des choses aux abonnés et aux visiteurs, les personnes qui me suivent. Déjà en 2016, vous avez pu voir que mes contenus sont de meilleure qualité, sans vous mentir. J'étais obligé d'étudier, comme des fois YouTube, il nous envoie des formations. On étudie, on regarde, on visionne, et c'est pour ça que je compte m'améliorer en 2017. Et puis déjà en 2016, fin 2016, il y a eu une sacrée amélioration de ma part. On est moins stressé, on est plus direct, on parle correctement, on est plus orienté dans les phrases et les mots ce qu'on dit. Et c'est pour ça que tout YouTubeur peut changer un jour. Et aujourd'hui, voilà ma qualité et ce qui va être plus tard pour vous renseigner vers d'autres projets et d'autres solutions pour vous aider du mieux que je pourrai. Après, ce qui va avoir matériel, logiciel aussi, logiciel pour les ordinateurs. Beaucoup de personnes m'ont demandé en 2016, surtout pas mal, avec quoi vous enregistrez vos vidéos sur votre ordinateur. J'ai ScreenFlow, c'est un logiciel qui est sur Mac et je ne sais pas si c'est disponible sur Windows. Pour ça, je ne saurais pas si la compatibilité va être au rendez-vous avec votre ordinateur. Et encore une fois, ce que je voudrais dire, ce logiciel-là, vous serez surtout payant et non gratuit, comme beaucoup de personnes recherchent des logiciels gratuits. Pour ça, on en fera plus de part dans la suite des vidéos. Dans les prochains mois, je vais étudier, je vais éplucher tout ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je compte vous en parler dans le projet de l'année de 2017. Et encore une fois, ces personnes-là ont vu sur mes vidéos YouTube il y a quelques jours de ça. J'ai eu encore des messages récemment. C'est comment vous faites pour avoir l'interface de votre iPhone sur votre ordinateur. C'est en arrière-plan tout ça, ou bien ce qui se passe derrière. J'ai un logiciel qui s'appelle Reflector 2. On a eu Reflector 1. Je suis en très bonne compagnie avec le développeur. C'est un Ukrainien, sans vous mentir. Et j'ai eu cette application-là. C'est une application de l'ordinateur et non sur l'iPhone.
malgré que j'ai l'iPhone 7 Plus ici, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est surtout vous expliquer que Reflector 2, c'est un sacré logiciel et il y aura d'autres logiciels qui seront en comparaison pour l'année 2017 sur ma chaîne YouTube. Après, ce qui va avoir, on pourrait faire quoi de plus? Il y a aussi Screenshot Maker, c'est ce que j'ai déjà. Je compte à l'expliquer surtout sur ma vidéo YouTube en ce moment. Pourquoi? On m'a demandé comment vous faisiez des miniatures en rapport avec votre téléphone. Ça, c'est un fait. Vous avez une photo normale, vous la travaillez, vous regardez, vous essayez de la perfectionner, ce qui est le plus important, avec le logiciel Photoshop. Pourquoi? Après, avec cette application-là, vous faites une capture d'écran de votre iPhone, vous l'envoyez, je dis bien, sur l'application Screenshot, ouais, c'est Screen Pro, pour être plus clairement, je l'ai sur mon iPhone. Et aujourd'hui, je peux faire pas mal de miniatures et c'est pour ça que je vais en dédier une après la fin de cette vidéo-là. Après, vu que ma chambre, comme vous voyez, j'ai un espace vraiment trop petit pour parler, visionner, faire des lives, n'importe quoi. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai une chambre qui fait quand même à peu près 3 mètres on va dire, l'espace. Mon espace est 3 mètres dans ma chambre. J'ai beaucoup de choses, je ne peux pas faire un visionnage total. J'ai un bureau qui va être changé aussi, un bureau plus grand, un bureau qui va me permettre de travailler plus proprement et de vous apporter directement sur ma chaîne YouTube et d'avoir des contenus bien de meilleure qualité comme aujourd'hui. Déjà, on a déjà les bases. Comme vous le savez, quand on crée un immeuble, vous commencez déjà par le bas, vous ne pouvez pas commencer par le haut. Si vous commencez par le haut, forcément, ça va se casser la gueule sans être irrespectueux sur ce mot-là. C'est surtout d'avoir beaucoup de choses et de travailler sincèrement déjà et proprement derrière tout ça. Bon, voilà, j'en ai dit pas mal sur mon projet 2017. Il y aura aussi d'autres vidéos en rapport au projet quand on sera en 2017. Si vous en avez l'occasion, bon, là, voilà, la vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et encore une fois, partagez, faites-vous plaisir, commentez, venez sur mon compte Twitter. Je parle beaucoup sur mon compte Twitter avec mes abonnés. Vous êtes vraiment presque 5 000 sur Twitter, presque 6 000 sur YouTube. Faites péter le compteur et vous serez vraiment content de mon service. J'étais un ancien prise en service avec les réparations d'iPhone, tout ça. Je vais savoir vous guider où on peut réparer pour peu cher de choses en réparation avec le prix est égal à presque, on va dire, une base de prix réduite. Et pour ça, je suis très content de vous avoir tous devant moi. On a des concours sur mon compte Twitter. Venez participer et peut-être vous aurez la chance de repartir avec un cadeau. Comme moi, j'ai l'habitude d'être honnête avec tout le monde et c'est le moment de partir sur un très gros projet sur l'année 2017. Bon, voilà. Bon, bah, c'est le temps de se quitter. Ciao à tous et à très bientôt. Bye!